L'Institut de formation d'aide-soignants des Herbiers vient d'ouvrir ses portes. Une première rentrée scolaire sous forme d'inauguration officielle pour ce centre de formation accueilli au cœur de l'EHPAD à la Clairefontaine aux Herbiers. Une installation originale et même unique dans les Pays de la Loire qui permet aux étudiants de suivre leurs cours et de réaliser leurs travaux pratiques au milieu des résidents, au plus près de leur futur monde professionnel. C'est une belle innovation. On mixe les jeunes en apprentis avec les personnes âgées et avec nos agents professionnels en fait. À l'origine de ce projet, le CCAS de la ville des Herbiers et le lycée Jeanne Delanoue de Cholet. Cette formation, c'est le résultat de deux choses. D'abord, un besoin, le besoin pour notre EHPAD de recruter, bien sûr, de se faire connaître, de donner envie de venir travailler chez nous. Et puis, le fruit d'une rencontre avec le lycée Jeanne Delanoue qui, justement, propose ce genre de formation. Le projet, qui a reçu le soutien de l'Agence régionale de santé, a été salué par Christelle Morancé, présidente de la région des Pays de la Loire. Pour moi, c'est déjà une grande fierté d'avoir ce centre de formation au cœur d'un EHPAD. Et puis, c'est avant tout une reconnaissance aussi pour l'ensemble des acteurs, la ville des Herbiers, bien évidemment. Je pense aussi le lycée Jeanne Delanoue, la région des Pays de la Loire, l'ensemble de ce collectif, l'ARS, bien évidemment, qui s'est monté pour pouvoir voir le jour de ce projet. C'est unique au sein de la région des Pays de la Loire. Quant aux étudiantes, pour la plupart originaires du Pays des Herbiers, elles sont ravies de pouvoir débuter leur formation dans de telles conditions. Je voulais voir le métier d'aide-soignante et quand j'ai vu que ça s'ouvrait aux Herbiers, j'ai voulu venir. Ça nous a toujours un peu attiré les personnes âgées. Là, on est directement dans notre domaine et c'est vrai que quand on sort de classe des soirs, on peut les interpeller ou eux nous interpellent et du coup, la communication et notre relation avec eux, on voit que c'est que du plus, quoi. Hâte de découvrir toute la formation et tout ce qu'on va apprendre. Après 6 mois de formation et de stage, toutes devraient ressortir diplômées au mois de mars prochain.